Salut à toutes et à tous, c'est Blitster et nous nous retrouvons. Et je sais que sur Legend, j'ai l'impression qu'on fait tout le temps des vidéos invocations, mais c'est pas de ma faute. Cette année, enfin cette fin d'année a été riche en mouvement justement par rapport aux invocations. Donc là, clairement, on se retrouve pour le meilleur portail du jeu, bref, mais pas celui-là. Bon, tout d'abord, avant de commencer les invocations et voir ce qui nous intéresse, les amis, je vous invite à rejoindre Discord, Twitter et Instagram si vous le souhaitez. C'est gratuit, y a rien en contrepartie, hein, voilà, tout simplement. Et puis, pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que bah, du contenu d'Okan Battle et Legends, on en fait en ce moment. Donc du coup, voilà. Ah oui, et, quand t'as parlé du coup de Dokkan Battle, les vidéos, elles arrivent. Alors, il y aura un changement dans le programme, c'est que bah, vu que cette vidéo n'était pas prévenue, les vidéos Battle Road arriveront dès demain. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Ce week-end, toujours live sur le TB. Donc voilà. Sinon... Quoi dire? Du coup, c'est ce portail-là qu'on va invoquer, en fait. Mais avant, en fait, si vous voulez, pensez à aller récupérer dans votre boîte à cadeaux le petit ticket Sparking qui garantit, voilà, tout simplement. Et du coup, par rapport à ça, nous allons voir dans les pouvoirs Z directement et dans les pouvoirs Z. Alors... ce portail est un peu particulier par rapport aux tickets Sparking, parce que du coup, les tickets Sparking sont récupérables uniquement pour les cash players. Donc si vous n'avez pas de CB ou que vous ne pouvez pas mettre d'argent sur le jeu, vous pouvez oublier cette option-là. Le seul ticket qu'on va avoir en free-to-play, c'est celui qu'ils ont offert dans la boîte à cadeaux. Donc, le portail. Donc, nous, ce qu'on veut impérativement, on est là pour lui. Les autres élèves, c'est pas que je veux pas prendre, mais on est là en priorité pour lui. Vegeto Blue. Majin Vegeta, je dis pas non. Pour ma famille de Vegeta, tout simplement. Frieza LF, je dis pas non, parce que du coup, bah, je joue. Comment ça s'appelle ? Généalogie Maléfique, malgré moi. Piccolo, bah, pour la collection, mais sinon, je le jouerai pas. Le Vegeta, bah, toujours aussi bon. Voilà, même s'il a pris un tout petit coup de vieux au niveau dégâts, mais ça va. Ça reste correct. C'est pas un truc complètement pété, mais ça reste tout à fait correct. Goku SSJ3, il est à 4 étoiles pour ma part, donc du coup, voilà. Déjà Zenkai. Il manque 7 étoiles. Enfin, le Vegeto, on le prend s'il tombe, mais prioritairement, c'est le Vegeto Blue. Donc voilà. Le Goten, je l'ai que 2 étoiles. Le Gohan, je l'ai déjà Zenkai. Et le Beerus, pareil. Donc réellement, là, ce qu'on veut en priorité, bah, le Vegeto Blue. Hein. Et Vegeto Blue, et puis lui, il n'est pas 7 étoiles. Lui, il n'est pas 7 étoiles, mais quasiment. Lui, bah, 2 étoiles, du coup. Et Frieza élève, du coup, est passé 3 étoiles sur le portail de Gogeta. Donc, du coup, voilà. Donc, sinon, Majin, 2 étoiles, pareil. Et voilà. Donc, on commence par le ticket. On commence en douceur. Vidéo qui sera quand même assez courte. Hein, même si l'introduction a duré plus de 2 minutes. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, bah, Sparking garantie, voilà. Est-ce qu'on laisse l'animation? Je ne sais pas. Hein. Oui, on va laisser. Donc oui, on se fait éclater, mais bon, de toute façon, Sparking garantie, vous connaissez la chanson, donc voilà. Donc, je m'explique pas pourquoi le portail est excellent, en fait. Tout simplement, bah, parce que le LF est garanti à la fin de la multi. Donc, Gatai, ok, on prend pas. On prend pas, en fait, au final. Parce que, voilà, il passe pas, je sais plus combien d'étoiles, mais voilà. Non, on va y pas pour le portail Zenkai, mais voilà. Donc, voilà, comme vous avez pu le voir aussi en début de vidéo, hein, pour ceux qui ont l'observation, enfin, le sens de l'observation, un Legends Limited garanti. Donc, voilà, par multi. Sachant que c'est pas un par multi, vous pouvez, enfin c'est un minimum par multi. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc il y a des chances qu'on puisse taper les autres. Donc après, bon, j'ai pas fait le tour du portail pour dire ce qui m'intéressait ou pas en autre Sparking. De toute façon, on le verra directement ici. J'irai, ah bah ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc, ça serait bien de voir une animation Broly parce que je l'ai vu qu'une seule fois. Et là, vu qu'il y a du LF garanti, voilà, je dis pas non, je suis pas à contre. Mais bon, bon, Vegeta, du coup, bon, c'est pas impressionnant, hein. C'est pas impressionnant comme animation, mais bon, on s'en contente, mais parce que du coup, on sait qu'on a LF garanti, donc ça va, tout va bien, les amis. Donc, ouais.
Oui, et par contre, c'est vrai que je disais, oh, Omega, je prends. Omega, on prend. C'est vrai que je disais, ça sera la seule multi avec 10 parkings qu'on verra sur la chaîne. Je vous ai menti au final. Je vous ai menti. Parce que là, pour cette fin d'année, voilà, le portail qui nous met bien. Végéto, ok. Deux LF. Deux LF. Alors, oui, mais je veux ta version blue. Tu me donnes ta version blue. Donc j'aurais pas be ah donc du coup j'aurais pas besoin de l'acheter avec les tickets les Legends. Donc ok. Ok, ça. Ah, dommage que je l'ai monté avec DPZ. Mais on prend, Gotenks on prend aussi. Goku SLJ4, on prend aussi. 3 élèves? 3 élèves, les gars? Bah j'ai tous les élèves du jeu. 3 élèves. Mais quitte à me donner 3 élèves, mais je t'en supplie, donne-moi Végéto Blue à la fin. Bojack, on prend parce qu'il n'est pas 14 étoiles, mais le sel, on prend parce qu'il n'est pas 14 étoiles. Mais c'est des bonnes unités. Vados. Oh, mais Vados, tu me mets bien? Ma team divin qui se renforce? Végéta. Végéta, ok. Par contre, moi, c'est Végéto Blue. Moi, j'étais venu là pour Végéto Blue. Mais les gars, c'est indécent. 3 élèves dans la multi? Non. Végéto qui passe 7 étoiles, donc du coup. Je t'attends, mon gars. Ton Zenkai, je l'attends. Ah, ton Zenkai, je l'attends. Donc, le Vegeta qui passe 7 étoiles, le Cell qui passe 7 étoiles. Oh, c'est sérieusement, ce truc-là. Putain, bien. C'est dommage que j'ai déjà cash-play pour Migaté. Et un petit peu pour Gogeta, du coup. Mais, ouais. Parce que là, franchement, je vous dis cash. J'aurais largement pris le pack là pour à 110, enfin le pack 90 plus 23 ou je sais plus combien qui m'aurait fait 110 euros. Hein. Là, je vous le dis clairement. Clairement, clairement. Mais là, ouais. Oh. C'est indécent. 3 élèves. Ça mérite un screen. Hein. Ça mérite un screen. Voilà, le petit screen des familles. Donc, cette fois-ci, on est là pour Végéto Blue. Hein. Et je me disais dans ma tête. Ça serait bien que je tape Piccolo, hein. Je vous l'ai dit aussi, mais du coup, taper Piccolo. Ah, Glacier, enfin du coup Blizzard plus Capsule, peut-être Broly en animation, parce qu'on veut voir du Broly aussi. Nous sommes là pour l'entertainment. Voilà. Mais du coup, bah j'ai tous les élèves du jeu. Et Végéto Blue, en fait, ça serait bien. Hein. Végéto Blue, là, franchement, je vous le dis clairement, Végéto Blue, je le prends tous les jours. Là, Omega qui retombe. Ok, on prend. Road to 6 étoiles, déjà. Le Vegeta qui reste très très bon en famille de Vegeta. Très sous-estimé d'ailleurs, le Vegeta bleu Transfogadin. Donc là, le Goku SJ4 violet. Ok. Couleur maintenant. Ouais. Alors, du coup, non, le Trunks, on s'en fout. Du coup, couleur, pourquoi pas. Couleur violet, pourquoi pas. Vegeta Blue, c'est trop dommage que j'ai mis des pouvoirs Z, enfin, des pouvoirs Z sur lui. C'est oh. Raditz, ok. Un petit peu OZEF. Kid Buu, bah maintenant je m'en fous. Parce que Regen, je joue plus. Goku SSJ4 qui retombe. Ok. Oui! Oui! 4, 3 étoiles! 3 étoiles! Divin qui se renforce! Oui! Désolé pour les oreilles, mais oui! Végéto! Végéto Blue qui retombe. Ça serait cool. J'aurais tellement aimé qu'il tombe avant aussi. Comme ça, il aurait été 6 étoiles. Enfin, 4 étoiles, du coup. Aïe, aïe, aïe. On est là pour toi, mon gars. On est là pour toi. Et enfin, la cape Z sur Végéto Blue qui va se renforcer. Oui, par contre, non. La step up sur la Jap, on s'en fout un petit peu. Mais du coup, c'est pas contre toi, John Jordan. Mais du coup, voilà. Ah ouais, la cape Z, voilà, qui renforce, qui divin. Oui, les amis, oui. Voilà. Donc, bah, cape Z qui renforce, qui divin. Mais du coup, en fait, la première. Donc, du coup, après, ça donne quoi? C'est quoi? C'est guerrier fusionné et qui divin. Bon, bah, il manque plus que. Bah, après, la cape Z, c'est 6 étoiles, c'est pour jouer futur. Donc, ok. Mais déjà, qui divin, c'est plutôt bien. C'est 28% futur, enfin, 28% pour tous après. Oui, c'est ça, c'est 28%. Ok. On prend, les amis, on prend. Allez. Dernière multi. Végéto Blue. Faut que tu retombes. Si tu peux tomber deux fois, je sais, j'en demande trop. Mais au moins, déjà, minimum, tu retombes une fois, c'est bien. Oh. Oui. Belles animations. En tout cas,
Y a pas à dire. Y a pas à dire. Belles animations. Mais Vegeto Blue, faut que tu retombes. À la tête de moi, faut que tu retombes. Mais là, clairement. Clairement. Vegeta SSJ 4. Ok. Bah, on prend quand même. Même si du coup. Bah... Oh, Goten! Eh ben, vous savez quoi? Je prends fortement. Goten, je prends. Sérieux. Hein. Pour jouer famille de Goku. Voilà, je mettrai des pouvoirs Z sûrement sur lui, mais bon bah toi maintenant, Osef tier. Osef tier. Franchement, Gold. Enfin. Oui. Végéto. Cette étoile, Végéto. Ouais. Oh, Végéto. Ouais, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Ça annonce Végéto Blue. Eh, vas-y, tombe. S'il te plaît, tombe encore, tombe plein de fois. S'il te plaît. T'es mon main, t'es mon personnage, s'il te plaît. T'es mon personnage de Dragon Ball. Goku rouge, ok. Ah, Frieza élève, donc du coup nous sommes sur la dixième. Ah, mais deux élèves dans la multi? Mais. C'est quoi le bail? C'est quoi le. Végéto Blue, s'il te plaît, montre-toi. Ah, c'est pas celui qu'on recherchait. Mais du coup. Ah, quand même. Vas-y, hein. Pas de problème, hein. Mais du coup là clairement bah écoutez, bah le Végéto rôde tout 7 étoiles, enfin 8 étoiles du coup. Je vais monter avec les PZ qu'il y a de disponible dans le shop avec les pièces de PVP là, mais ouais. Ok. Ah par contre si, ah oui par contre j'ai rien dit. Ah le mon premier Zenkai LF, enfin mon premier du coup LF, tout simplement, à 8 étoiles. Voilà. Ah oui, on prend les amis. Eh, hey. En tout cas, pas déçu de la session invocation. Je voulais au moins un minimum, un doublon sur Végéto Blue. Eh ben, mission accomplie en fait, tout simplement, mission accomplie. Donc voilà. Et bah c'est à peu près tout. Mais là, la pluie de LF, sérieusement, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est là. Le portail le plus rentable de l'histoire de Dragon Ball Legends. Ah, sérieusement? Ah, là, franchement, je me mets bien. Il me reste 4 cristaux, certes, je m'en fous. Le Goten, on va revérifier ce qu'il fait en termes de PZ. Enfin, de PZ de capacité. Enfin, de Cap Z, du coup. Dommage, c'est attaque physique des classes métis, ok. À 3 étoiles, ça donne quoi? Ça donne attaque physique de base des classes Saiyan métis et famille de Goku. Et après. Non, pas après transformation, on s'en fout. C'est voir les limites de stats. Capacité, attaque physique et d'énergie. Donc il me le faut 6 étoiles. Donc du coup, bah, je pense qu'il va avoir des PZ. Parce qu'en famille de Goku jaune, en vrai, ouais, il sera utilisable. Mais le truc, c'est que mon Goku movie contre Broly, bah, il va peut-être sauter. À voir, parce que du coup avec le Gohan c'est très très bien, c'est très très bon du coup avec le Gohan Zenkai, mais ouais, ok, bah en tout cas, eh bah, on est bien, et eh bah on va se quitter sur ça, hein. double image, on peut pas, si, voilà, bah, du coup les amis, bah j'espère que la vidéo, bah franchement vous aura plu. Voilà, le BG, hein. voilà l'animation, hein. Clairement, vous l'avez à côté sur la gauche, mais voilà le BG. Sinon, bah, les amis, en tout cas, en espérant encore une fois que la vidéo vous a plu, quoi dire d'autre pour le mot de la fin, bah voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un joyeuse fête, enfin pas joyeuse fête, bonne année 2021 ou bonne année 21 si vous voulez. Voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Quoi dire d'autre, moi, bah, en parlant justement d'année 2021, bah, je vous souhaite déjà en avance une bonne et excellente année 2021, voilà. En espérant que vous l'ayez bien terminée et que vous la commencerez bien. Enfin, du coup, voilà, hormis le contexte actuel de tout ce qui est, voilà, confinement, machin et tout. Donc, voilà, les gars. Quoi dire d'autre, sinon, bah, ouais, si jamais vous pouvez faire péter la barre des pouces bleus par rapport à la pluie de LF qu'il y a eu, donc je vous en remercierai, ça serait excessivement sympa.
Et sinon, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, enfin une bonne journée ou une bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Blitster. Encore une fois, passez un bon réveillon, passez une bonne année, voilà, de bons moments, tout ce qu'il faut. Et surtout, ne dépensez pas trop dans les jeux mobiles. Voilà, faites pas comme moi qui suis pas youtubeur, voilà, qui suis un youtubeur débutant. Voilà. Donc, oui, bah, on va s'arrêter là parce que du coup, au final, la vidéo fait quand même 15 minutes. Donc, c'était Blitster et je vous dis tchuss tout le monde.